et qui s'appelle Viper Mad. Alors il faut savoir que à la Nouvelle-Orléans, il n'y avait pas de petite arlene, il n'y avait que de la yerba buena, de la marijuana et d'autres choses qui vous mettaient dans des états de conscience modifiés, évidemment. Mais vu que tout était plus ou moins tabou, donc on leur donnait des petits noms, et la yerba buena, son petit nom, c'était la vipère. Voici donc Viper Mad. Thank you.
échappe. Et au vibraphone, quel artiste!